bonjour à tous, ici Endo pour le 11e épisode de Regardons le Rétro sur Pokémon version argent. Bon, la semaine dernière, on avait dit que je devais terminer la tour Pokémon, la tour radio, qui était envahie par la Team Rocket, et manqué de temps, j'ai pas pu finir. Donc ça va être l'objectif de cette 11e vidéo. Si vous vous rappelez, on avait eu quelques problèmes avec notre coquillasse qui était trop faible, tout simplement. En parlant de ça, on va le déparalyser. Oh, mince, plus de pépé pour surf. Mince. Bon. On va faire siphon pour le piéger. Par contre là on perd vraiment beaucoup en vitesse. Et je rate mon attaque en plus. Cette vidéo commence super bien. Il va peut-être falloir changer de Pokémon. Allez, on y croit. On y croit. On y croit. Alors, concrètement, combien de PV nous reste? 22. Oui, ça passe. Pour l'instant. Là ça va pas le tuer. Oui, coup critique. Bon, petit coup de chance. Et il en envoie un Nosferalto. Et bien on va commencer par le soigner. C'est fait en folie. Bon, c'est pas grave, on y croit. Non. Pas en glace. Allez. Ah zut. Allez. Bon, non, ça va pas le faire. On va envoyer Kadabra. Pas le choix. Et on soigne tout de suite Coquillasse. Ce qui est étrange, c'est quand même il a rattrapé son retard par rapport aux autres Pokémon, mais il est toujours un peu faible. Tiens, je ramasse une huile max, ça me rappelle que il a plus de PP sur Surf. En voilà 10 de plus. Gnac gnac gnac, je me souviens de toi, tu m'as battu à notre planque. Oui. Un tas de morts. Y'a de quoi faire. Oh, les putes. On fait surf. Alors, si je dis pas de bêtises, je crois que surf, ça touche malgré que l'esquive du Pokémon en face soit élevée.
Smogogo, on connaît tous notre passé face aux anciens Smogogo, donc on va pas le laisser. Ça serait dommage qu'il s'autodétruise encore une fois. Donc on va laisser ce soin à Kadabra. Yak, eux encore, bah oui. Hein. Il n'en reste plus qu'un. Comment t'es arrivé jusqu'ici? Bon, tant pis, je dois me débarrasser de toi. Je t'en prie. Smogo, niveau 25. On va faire vent glace en premier. Je rate. Vent glace, j'ai dit. Voilà. Pas le poison, pas le poison, pas le poison. Pas le poison. On va refaire un vent glace. Mince, le poison. Et on va faire surf. De toute façon, il était plus rapide que lui. Deuxième Smogo. Pareil, niveau 25, on va faire la même technique. Le poison. Oh non, sérieusement! Mais non! Oh, c'est abusé là! Il était même pas dans l'orange! Bon, ça vaut pas la peine d'utiliser un rappel parce qu'on va passer autant de Pokémon. On a fini le sous-sol et on se retrouve face à notre cher directeur de la tour radio. Qui, quoi? Tu es venu me sauver? Oui, monsieur. Merci, de rien. La tour radio, que se passe-t-il là-bas? Bah. Voilà, contrôlé par son enquête, tu dis toi-même. Tiens, prends cette carte magnétique. Donc la carte magnétique va nous permettre d'accéder à la deuxième partie de la tour radio qui nous était bloquée. Et on va pouvoir y battre, entre autres, les caïds restants. As-tu une recette d'espoir sur la tour radio? Pitié, voilà. C'est encore moi qui vais devoir sauver le monde Pokémon. Et voilà, donc là, en fait, on se retrouve... Oh, pièce rune. Intéressant. On se retrouve ici. Et ici, c'est le sous-sol du centre commercial de Doublonville. Et voilà. Donc, on a dit centre Pokémon, puis... On termine cette fichue tour radio. Ça serait cool si Amédée Pêcheur pouvait nous appeler. On monte. Donc, tout cela, ils ont déjà été battus. Et à cet étage-là, pouf, il y a une barrière qu'on peut désactiver. Pourquoi le truc s'est ouvert? C'est toi le responsable? Oui, monsieur. Parce que là, honnêtement, vous commencez à me taper sur le système, donc...
grand temps que je me débarrasse de vous. Avec un peu de chance, on échappera à la destruction. Mais non, mais sérieusement. C'est abusé, là, quand même. Ah, mais complètement. Un coup critique, en plus. Bah oui, allons-y gaiement. Ça suffit avec les destructions. Bon. Et bah c'est reparti pour utiliser le rappel et la super potion. Ah, c'est incroyable le nombre d'XP qu'on perd. On fait tous les dresseurs. Je suis déjà beaucoup trop en retard sur l'XP. Quatre Pokémon et un Abo. Niveau 21, ok, donc aucune difficulté. Il y a 10 niveaux d'écart. Tiens, manque des paillettes. Tiens, mange encore des paillettes. Mystère, bon, ne change pas. Que lui, il va prendre très cher. Ah, il meurt pas. Sale bête. Ah, pour toxique, le poison. Le poison est présent. Bon, on change pas. Toujours du Pokémon de type plante. Acide, attaque type poison. Pas fait beaucoup de dégâts. Onde boréale et ça dégage. Et on passe niveau 32. Un Abo. Birocat a perdu. Hop, stop, on m'appelle la forteresse de la Team Rocket. Ben, pas de plus, petit. Ah, un Caïd. Et il a un seul Pokémon. Un Osferalto, niveau combien? Ouf, niveau 36. Bon. Allez, on essaye. On est des fous. Vampirisme, c'est cool, c'est l'attaque faible. Les paillettes, les paillettes, les paillettes. Ah, c'est pas très très efficace. Attaque de type vol. Aïe. Pas le choix.
je vais devoir changer de Pokémon. Et on envoie Kadabra. Aïe! Coup critique, d'accord. Waouh! Il se régène bien quand même là. Rafale Psy. Tu vas voir si tu vas régène. Oh non! Sérieusement? Mais non! Je n'en reviens pas. Bien. Et bah ça sera pour Pharamp. Tout casser ma forteresse. Ouais, bah m'a bien fait chier. Alors, coquillasse déjà, enfin, c'est pas assez, on réutilise une deuxième, allez. Hop, et le rappel sur Kadabra. Avec une super potion. Il m'aura coûté très cher cette émeroquette. Donc voilà, c'est les deux derniers. Et tu te souviens de moi, de la planque d'acajou? Tu m'as battu, mais je me suis entraîné depuis. Donc c'est la nana qu'on a battue juste avant d'aller battre les électrodes dans la planque d'acajou. Et elle nous renvoie à un bot niveau 32, fichtre. Bon allez, on essaye. Tu es faible, coquillasse. Vraiment trop faible. Ah. Bon, ça c'est pour Kadabra. Ça doit rapporter pas mal d'XP cette connerie. 500. Allez coquillasse, je crois en toi. Bon alors concrètement, ce qui va se passer c'est que soit je l'attaque, mais il va attaquer en premier, il va me faire des dégâts. Soit je fuis, mais soit il me faisait poursuite, donc je prenais cher quand même. Oh non, je l'avais oublié. J'avais oublié le poison. Mais quel idiot! Bon, c'est pas grave. Bon, ceci est fait un peu grave en fait. Rafflesia. On va envoyer Fleurisson. Lui rapporter pas mal d'expérience. Et voilà. Effectivement, presque niveau 34. Kaidrocat a perdu. Mais c'est pas possible, bah si. Mais bah à fond et je perds, bah c'est pas assez ma cocotte. Allez. À
Allez, c'est le dernier combat. On y croit, on y croit. Oh, tu es arrivé jusqu'ici, tu dois être un sacré dresseur. Nous allons contrôler cette station de radio pour annoncer au monde notre retour. Cela devrait faire revenir notre chef Giovanni de son entraînement solo. La gloire passée de la team sera restituée. Et toi, moucheron, tu vas pas nous agacer longtemps. Et... bah, je suis désolé de te décevoir. 3 Pokémon. Alors, lui, en fait, c'est le Kaïd qu'on n'a pas battu. C'est Peter qui l'avait battu dans la planque d'Akajou. Donc là, tout ce que je demande, c'est de pas avoir la trouille. Putain, ça fait super mal! Bah merde. Je sais pas quoi faire là. Bon bah on va faire une super position en espérant qu'il fasse pas morsure. Bon d'accord. Ça servira à rien. Faut que je change de Pokémon. Le mieux ce serait Faramp. C'est quoi ces dégâts? Point éclair. Fais flammage si tu veux. Hop, un de moins. Go. Bon, on connaît tous ce qui se passe quand Coquillas affronte un Smogo, donc il va rester ici, mais pas longtemps. Hop, et on renvoie Kadabra. C'est pas que j'en ai marre de destruction, mais si, en fait, j'en ai complètement marre de destruction. Ouch. Mais ouch. Ça suffit? Niveau 31. Ouais. Ah non, c'est pression ce qu'il apprend, pas encore psycho. Qu'est-ce que tu as déjà? Flash, on garde, je contrôle le ballon, enfin le psy. Bah non alors, on ne va pas apprendre préscience. Waouh, un demelos. Alors, on va envoyer Coquillas, mais il va pas rester. Et j'espère qu'il a pas poursuite. J'espère. Ah c'est bon, c'est parfait. Les niveaux 35, c'est normal qu'ils soient plus rapides. Oh là là, critique! C'est pas possible d'avoir une poisse pareille. Bon, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer Togepi. Mais bon, là, on va un petit peu à l'abattoir parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va rappeler Faramp. Au revoir! Ça va être la même chose pour Goobs du coup. Sac. Super potion. Pharaon. Au revoir Goobs. Coup critique, bah oui hein. Tant qu'à faire. Allez Pharaon. Cage éclair. Oh oui, il rate. Et point éclair.
là, faut espérer que la paralysie fasse effet. Oui, parfait. Pas si simple ce combat. Mais ça y est. La Team Rocket est vaincue. Non, pardon Giovanni. Oh, tu peux t'excuser, effectivement. Impossible, nos rêves se brisent. Je suis pas digne. Comme Giovanni l'a fait jadis, je vais dissoudre la Team Rocket. Eh ben, c'est pas trop tôt. Adieu. Alléluia. Merci Endo. Ton acte courageux a sauvé les Pokémon du monde entier. Ce n'est pas grand chose, mais prends ceci. Et reçois un argent. Qui va pas nous servir, ça nous permet d'aller trouver Lugia dans les tourbilles. Alors oui, en fait, pour l'histoire, il y avait une tour avant à la place de la tour 2, il y avait une autre tour qui était une sorte de sanctuaire, si vous voulez, pour Lugia. Il y a la même à Rosalia pour Ho-Oh. Bon, de toute façon, il va mourir, c'est pas grave. Direction le centre Pokémon. Et toujours aucune nouvelle d'Aime et des pêcheurs. Voilà, Kadabra et KO. Ce qui est drôle, c'est que même quand les Pokémon sont KO, ils peuvent utiliser leur CS. J'ai bien pris son numéro de téléphone au moins à Amédée. Bah oui, tiens, on va l'appeler. Bonjour, c'est Amédée. Comment ça va, Endo? Comment vont tes Pokémon? Mon Quillfish à la pêche, c'est mortel. Ah ouais, j'ai réussi à battre un pierre avec Cool Story, bro. Je dois montrer mon équipe à plus tard. Bah ciao, mec. Et donc, direction l'est. Coucou. Je vais gagner, pour sûr. Non. C'est pas dans mon programme. Un atout Pokémon de type Vol et Psy. Bah, ça va dégager. Oh non, une folie. Allez. Allez, coquillasse. Ouais. Les paillettes. Mais pourquoi ça l'a pas tué? J'ai siphon. Un siphon, fond, les petites marionnettes. Et voilà. Un Kadabra. Il est sûrement plus rapide que moi. Voilà. Préscience. Concrètement, il faudrait le tuer avant que ça arrive. Bon. Ça y est, je suis devenu plus rapide que lui. Stop, voilà. Si ça le tue pas, je meurs. Parce que la pression s'arrive juste après. Oh non. Oh, il fait soin en plus. Ah, du coquillasse. Tu es vraiment, vraiment trop faible. On va envoyer Furisson.
niveau 34. Et voilà, Gabriel Kennedy s'est perdu. Que comme un, bah oui. Ah, peut-être que Endo, coucou, ça m'aidait quel temps dehors toute base, ça serait pas la même chose que la dernière fois. Je serais vers route 42. Bah écoutez, c'est pas loin. Donc on va y aller. Ah, c'est pas ce que je voulais faire. Alors, je dois avoir un rappel encore. Oui, j'en ai encore 8. Et super potion. C'est parti. Donc il est juste après. Le voilà. Bon, il donne pas la pierre haut encore. Mais bon, puisqu'il veut un combat, autant l'accepter. Donc il a un seul Pokémon, mais c'est un Quillfish. Niveau 23. Et le combat va être très long si j'y garde Coquillasse peut-être. Mince, il a fait les Liliput. Eh ben, là c'est pas assez efficace. Allez, on essaie quand même. Oh, armure. Bon, ok, je vais le changer après. Je vais envoyer Pharamp parce que sinon on va y passer une éternité. Ouais, carrément même. Ok. On envoie Pharamp histoire de dégager cette merde. Voilà, au revoir. Coquillasse, niveau 33. T'en apprends de gros yeux. Pff, sérieusement, niveau 33, tu apprends gros yeux? Non, on veut pas. Donc voilà, il est vaincu. Hein, c'est pas juste? Bah si, c'est très juste même. Je t'appellerai au cas où. Bah, j'espère qu'il nous appellera pour la pierre rouge. On a vraiment besoin là. Allez, on reprend notre chemin. Coucou. Je pêche comme un méga dingue. Oh mince, il va y avoir des Pokémon de type eau. Coquillasse va être inutile. Un Remoraid qui évolue en Octillerie. Bah écoutez, on va envoyer faire rampe. Hein. Autant faire simple. Je sais pas du tout ce que ça fait, verrouillage. Ça doit augmenter la précision peut-être. C'est Remoraid, bon, regardez Pharamp, hein, pas de perte de temps. Voilà. On continue. Là, il y a une top dresseuse. T'as l'air fort, ça te dirait un petit challenge, t'es prêt? Agnès top dresseur veut se battre. Mais top dresseuse, non, ça vous allait pas. Oh, poudre dodo. J'ai un réveil. J'en ai un, ça j'en suis sûr. Oui, j'en ai même 5. Debout Coquillasse. Les paillettes, les paillettes, les paillettes. Est-ce que je suis plus rapide que lui? Oui. Au revoir, les légions.
contre, c'est un joli flore. Évolution alternative de Ortide. Ortide, soit vous lui donnez une pierre plante et il évolue en Rafflesia, soit vous lui donnez une pierre soleil et il évolue en joli flore. Oh. Alors ça c'est pas bon du tout par contre, on va envoyer Féorisson tout de suite. Que je vous explique, là il est en train de faire lance-soleil en fait. Et Coquillas n'aurait pas du tout apprécié. C'est une attaque de type plante, c'est l'attaque de type plante la plus forte. Donc ça l'aurait probablement tué. Et voilà. Oh, rien compris, bah ouais. Tu es mon dresseur, ça se voit. Mais comment dire, je suis plus fort. Bah on va voir ça tout de suite. Un autre taux de dresseur avec un seul Pokémon. Un Reptincel. Un peu de chance, je suis plus rapide que lui, et non. Bon, il fait grimace. Pour les coups, ça diminue encore plus ma vitesse. De toute façon, Vent Glace, un tas de petites glaces, ça serait inefficace contre lui, donc ça servirait à rien de le faire. Et puis de toute façon, voilà, Surf, ça suffit largement pour le tuer. Voilà. Même pas mal, bah écoute. Pourrait-il qu'on arrive à la fin? Ah, tiens, une boule. Presque à la fin. Tu connais les Pokémon oiseaux légendaires? Oui. Dans la deuxième génération, il y en a 5. Articodin, Elector, Sulfura, Lugia et Ho-Ho. Donc c'est un ornithologue et des Pokémon de type vol. Hop, vitesse de recoupe diminue. Et on en finit avec lui. Deuxième Pokémon, encore un Rookups. Mince, bon là il attaque avant nous parce qu'il a fait vive attaque. Mais ça ne suffira pas. T'es chaud toi, comme la braise. Ouais. Et donc voilà, nous arrivons devant la route 44, route de glace, tout droit. Donc c'est ici. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc je sauvegarde. 7h24 de jeu. Et voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la commenter si elle vous a plu. Suivez les aventures d'Ores le mardi sur Pokémon Or et de Game sur Pokémon Crystal le vendredi. Suivez Vasan Studios sur les différents réseaux sociaux. À la semaine prochaine tout le monde, ciao.